Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 2 de Koh-Lanta, les chasseurs d'immunité. Un épisode, je vais le dire tout de suite, que j'ai aimé. Il n'est pas sans défaut, je vais avoir des choses à dire, des choses qui vont pas forcément faire plaisir, des choses qui vont faire parler, je vous le dis tout de suite. Parce qu'il y a des trucs qui me gênent dans cet épisode et des trucs qui me gênent beaucoup et en dormant dessus, j'estime que c'est vraiment gênant et que je pense que je vais avoir une voix un peu, qui sera un peu unique sur l'internet de la bienveillance, parce que je pense que là, on va être sur un moment moins bienveillant quand même que sur le reste du monde. Et on va essayer évidemment toujours d'être respectueux, etc. Mais on va quand même dire les choses telles que je les ai vues et ressenties, telles que je les analyse. Attention, ça risque de faire mal. Ceci étant, juste avant de démarrer, je vous remercie évidemment pour toutes les personnes qui étaient en live hier soir avec moi, 250 personnes en live sur YouTube, mardi à 19h, et merci, 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 on a passé une super soirée, et aussi, merci pour les commentaires, le résultat de la dernière vidéo aussi, plus de 10 000 vues, etc. Enfin franchement, merci, ce début de saison est exceptionnel, et même pour la vidéo news aussi que j'ai sorti ce week-end, qui vous a beaucoup plu. Bref, merci, 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 vraiment c'est exceptionnel comme démarrage pour ma part, et j'en suis très content. Alors, je vais vous dire une chose, c'est déjà comment a démarré cet épisode. Déjà, on a eu le retour donc du générique, du pré-générique, et ce générique est assez spoilant. Alors, je ne vais pas vous raconter des trucs là-dedans, etc. C'est juste pour vous dire qu'ils n'apprennent pas de leurs erreurs. Tu as beau leur dire, leur redire, leur re-redire, leur re-redire. T'as l'impression que tu pourrais leur dire 23 fois la production. Elle ne change rien. Ils se mettent la tête dans le sable. Et t'as l'impression qu'ils n'entendent pas que ça n'est pas normal de mettre des épisodes, enfin des images dans le générique de candidats où ils sont très loin, avec des épreuves qui sont relativement loin. Alors là, cette année, on n'a pas des trucs complètement tarés avec des gens qui ont les totems dans les mains ou autre variante. Mais quand même, bordel, il y a des trucs qui sont trop loin. Ça se voit, c'est trop loin. Il faut qu'ils arrêtent de faire ça. Je sais pas comment ils peuvent l'entendre. J'en sais rien. Organisez un référendum, faites ce que vous voulez, j'en sais rien. Mais sans déconner, on peut pas faire un référendum d'initiative citoyenne, je sais pas, là, un truc comme ça, pour leur poser une question, leur dire pourquoi, bordel. Bref, je ne comprends pas, mais vraiment, ils y tiennent à nous mettre des images. Un jour, ils vont vraiment nous mettre les trois sur les poteaux. Ils vont se chauffer, putain, c'est terrible. Alors, enfin, voilà. Chaque année, on s'en plaint. Chaque année, ça ne change rien. T'as l'impression qu'on pourra s'en plaindre pendant 15 ans. C'est 15 ans que ça dure, ils se rendent pas compte. Bon, bref. Alors, l'épisode démarre avec Nathalie. Ouais, Nathalie, elle a survécu au conseil, un peu inquiète, etc. C'est Steve qui est parti, ok. Et alors, pour elle, son ennemi public numéro 1, c'est Amri. Amri qui a voté contre elle, Amri qui la considère comme quelqu'un de faible. Et donc pour elle, elle l'a pas dans la poche, c'est mauvais signe. Elle pense qu'elle est la prochaine à s'en aller et que donc Amri, il va falloir le regarder et du coin de l'œil. Et surtout, elle se dit, c'est... Steve, c'était un stratège, certes, mauvais, on l'a dit la semaine dernière, mais stratège. Là, Amri, lui, justement, eh ben, c'est un stratège un peu plus dissimulé, mais beaucoup plus dangereux. Et elle le dit très vite, elle dit « Attention, attention, ça va faire très très mal. Steve, il peut faire... Amri, pardon, il peut faire très mal. » J'ai adoré l'épisode d'Amri de A à Z, je le dis. Amri a été fabuleux, on en parlera tout à l'heure avec l'arrivée de William sur le camp, on en reparlera plus tard. Il y aura un petit moment survie assez sympathique, les jaunes vont attraper un crabe, plusieurs crabes pardon, et Sarah va nous révéler qu'elle est végétarienne. Alors attention, parce que je le dis maintenant, Sarah est végétarienne, mais elle mange du poisson. Oui, j'ai eu la même réaction que vous. Alors, ma mère était végétarienne, il y a eu déjà une végétarienne dans le programme, et elle avait, elle par contre, été une vraie, entre guillemets, je dis pas qu'elle est pas vraie, mais je peux m'exprimer, une vraie végétarienne convaincue, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas du tout mangé de poisson ni de viande. Elle n'avait pas fait ça, elle avait mangé de la coco et du riz. Là, vous allez, là, elle va craquer très vite puisqu'elle va manger du poisson. Je vais, deux hypothèses. Soit elle est végétarienne parce que c'est un peu l'air du temps. C'est-à-dire qu'en gros, à la maison, avec l'ensemble des choses qu'elle a à disposition, et on est dans une société de consommation, on a beaucoup de choses à disposition, elle a décidé de ne plus manger de viande. C'est un choix, ok. Soit c'était une conviction, comme ma mère c'était une conviction, c'est-à-dire plutôt, je suis impacté par la cause animale, par la souffrance qu'on inflige aux animaux, etc. Et donc je décide de ne plus manger de viande. C'est pas une question de quantité, c'est pas une question de, c'est pas une question de subsistance ou quoi que ce soit, c'est vraiment je ne veux plus manger de viande. Elle, je ne sais pas dans quel cas ça la met, est-ce que c'est dans les deux, parce que parfois ça peut être les deux, hein. Mais voilà.
Et si c'est le cas, bah malheureusement, j'ai l'impression qu'on est plutôt dans la case numéro 1, c'est-à-dire un peu effet de mode, et que là, justement, bah, on est sur une île déserte, on crève la dalle, donc, bah, elle craque. Est-ce que ça me choque? Non. Parce que j'estime que là, c'est, en plus, les conditions sont difficiles. Et ils n'ont pas de riz, donc ça veut dire que pour une végétarienne, c'est très très dur. Très 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 dur. Bien plus que d'autres. Mais bon, comme je l'ai dit, je peux, mais comme j'allais le dire, en tout cas comme je le pense, une vraie ou un vrai végétarien serait quand même très perturbé par les images qu'on voit. Parce qu'on ne sent pas une végétarienne particulièrement convaincue et elle y renonce très vite, très facilement, etc. Je ne jette pas la pierre. J'estime que pour être performant, évidemment, si elle ne mange pas, et en plus là avec les conditions où il n'y a pas de riz, etc., elle pourrait vite se dépérir et elle mettrait sa santé et évidemment son aventure en danger. Donc je ne lui jette pas la pierre. Je dis juste que je me mets à la place de gens qui sont végétariens. Ils doivent se dire quand même, franchement, pour des gens qui sont parfois un peu moqués ou pas ou autre, ça peut être des gens aussi qui ont une vraie conviction derrière. Et voilà, donc moi je dirais un peu pour faire une analogie, c'est comme si elle vous disait qu'elle était religieuse mais pas pratiquante, vous voyez ce que je veux dire? Et ben là c'est un peu le cas, voilà, c'est-à-dire je suis végétarienne mais pas pratiquante. Ça fait un peu bizarre dit comme ça, mais bon, c'est comme ça. Je ne jette pas la pierre, comme je l'ai dit, je ne jette pas la pierre. C'est juste que c'est vrai que pour quelqu'un qui connaît un peu les gens qui sont végétariens, je pense qu'à mon avis, il y a des gens qui ont dû avoir une tête, moi-même d'ailleurs. J'étais un peu comme ça, je disais, végétarienne, plus ce qu'elle fait dans l'épisode, je vais la compter comme quelqu'un de normal. Parce qu'elle mange, on verra si dans d'un confort où il y a un burger, où il y a un machin, qu'est-ce qu'elle mange. On va voir, est-ce qu'il y aura un plat de substitution? À mon avis, non. J'en sais rien, on verra ce que c'est. Voilà. Et pareil, est-ce que quand on fera l'épreuve avec la dégustation, avec le verre gluant ou je sais pas quoi, s'il y a ça, je sais pas s'il y aura cette année, on verra ce que ça donne. Je n'en sais rien, je dis juste que je fais la remarque. Maintenant, pour voir ce que ça donne au fur et à mesure. Alors pour le confort, il y avait un poisson cuit à gagner et un aventurier qui allait intégrer l'équipe, soit un aventurier spécialisé en survie, soit une grosse sportive. On va en parler juste après quand je vous ferai le descriptif. L'épreuve aquatique, c'était un classique. Vous avez une énorme malle qui est en plein milieu de l'océan, il faut aller la chercher, elle est enfermée dans une cage, il faut la faire passer sous la cage, ensuite il faut la ramener sur la plage, et sur la plage, vous la tirez sur la plage, et une fois qu'elle est arrivée sur le support, vous pouvez l'ouvrir et récupérer ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un classique de Koh-Lanta qu'on connaît. Performance légendaire, mais vraiment formidable, formidable, formidable de Alicia, qui a vraiment marché sur tout le monde, une performance physique extraordinaire, bon pas du tout évidemment, elle a eu du mal à... En fait, quand elle arrive dans la cage, et ben en fait, elle n'arrive pas à plonger. T'as l'impression vraiment que son fessier, quoi, est retiré vers l'extérieur. Ça fait bizarre. Enfin bon, bref, elle n'arrive pas à plonger, quoi. Tu te dis, mais pourquoi? Je comprends pas. Surtout qu'elle peut... Enfin, je comprends pas. Elle peut s'appuyer. Si jamais vraiment il y a un problème, je sais pas comment... L'humain a un aérodynamisme un peu bizarre, mais bon, peu importe. Mais elle fait la culbute. Et ensuite, limite, elle tape avec ses pieds sur le bois. Et elle pousse, et là normalement elle va au fond, hein. Tu donnes un grand coup, tu vas au fond de la cage, il n'y a pas de doute, et là si tu t'accroches au morceau de bois, tu passes normalement, enfin bref, j'ai pas compris, elle a galéré, bon écoutez, pourquoi pas. C'est les jaunes qui vont remporter la victoire, et dans ceux qui par contre, arrêtons un peu la blague, celui qui va particulièrement être assez impressionnant, c'est Maxime sous l'eau, qui va quasiment parfois faire l'épreuve tout seul. Et la balle, je sais plus combien elle pesait, plus de 100 kg, et des fois, il la soulevait tout seul, il avançait tout seul. Vraiment, très très impressionnant, Maxime, bravo. Deux nouveaux aventuriers donc arrivent. William, 62 ans, spécialiste de survie, et qui avait déjà fait l'émission The Wild sur M6 à l'époque, qui est une émission que j'avais regardée, qui était une émission de survie assez hardcore, où ils étaient en binôme, et lui était le spécialiste de survie aussi dans cette configuration. Et pour info, il était très, 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 je rajoute des traits, hein, très, très, très sévère, très rude, je m'en souviens, il était sévère, hein. Ça envoyait, je me souviens que quand il parlait aux femmes, c'était pas joyeux non plus. Donc attention à la première impression de William. Oui, vous savez, c'est comme quand vous rentrez dans un nouveau collège, faites bonne impression, et puis après, ça se gâte. Et ben voilà. On va voir. Hein, là, il a fait attention, il s'est bien habillé, il est venu avec son cartable, avec toutes ses affaires. Voilà, le premier jour, ça va bien. On voit le carnet de correspondance dans une semaine. Vous voyez ce que je veux dire. Voilà, je me permets. On fait une observation à la fin de la semaine. Voilà. Quand même. Parce que bon, pour connaître un peu le perso, attention, ça peut piquer un peu. Un petit peu.
Et enfin Léa, de l'autre côté, alors elle, elle est présentée comme la sportive, une montagne de muscles, etc. Et caractéristique, c'est qu'elle est, on a dit, pour beaucoup, elle est un peu renfermée. Alors moi, je dirais plutôt que c'est pire que ça, c'est que déjà, elle n'a pas le sourire facile. Parce que tu peux être un peu timide, par exemple. C'est pas une tare. C'est pas une tare. Moi, j'estime qu'on peut être un poil timide, mais c'est pas trop grave. Mais si t'as le sourire, tu vois, t'as un peu la bonhomie et tout, on ira vers toi. Elle, c'est pas le cas. Elle sourit pas, elle fait vite la gueule. Elle le fera vite sur le camp quand elle va arriver. Elle va avoir du mal à s'intégrer, vraiment. Heureusement que Denis va leur donner à tous les deux un collier d'immunité pour qu'ils puissent se protéger au premier conseil uniquement. Donc c'est-à-dire qu'au conseil qui arrive, même si l'un d'entre eux ne fera pas le conseil, et il s'arrête à ce moment-là, il ne sera pas valable au premier conseil qu'ils feront. Donc c'est au premier conseil, donc le conseil suivant, peu importe la configuration. Et ben, ouais, c'est vrai que Léa, bon. Au final, donc les jaunes vont choisir William pour deux raisons. La première, c'est qu'ils vont se dire, c'est bien de prendre un garçon, parce que comme ça va forcer les autres garçons à tirer la boule noire, et donc, ils vont avoir un garçon de moins. Donc, selon eux, ça les affaiblit. Deuxième raison, les autres n'ont pas le feu. Eux, ils ont le feu. Donc, récupérer la personne qui a le feu, leur donner plutôt la personne qui a le feu, pardon, ce serait plutôt leur donner vraiment un énorme avantage. Autant leur donner une sportive, dont on ne sait pas vraiment ce que ça peut être, parce qu'on a eu des fois des présentations de sportives, et est-ce que vraiment c'est hyper canon ? Pas forcément. Et donc, dans ce cas précis, est-ce que ça sera vraiment un avantage ? Peut-être pas. Donc Léa se retrouve chez les rouges et je trouve que le cheminement était plutôt logique. Denis sort un collier donc pour chacun, voilà, comme je vous l'ai dit, qui marchera au prochain conseil. Arrive la pub. On en reparlera. Là pour le moment, je n'ai rien à dire. On a eu une épreuve, on a eu l'intro, etc. Globalement, la pub arrive à l'heure à peu près normale ou elle arrive d'ordinaire. On en reparle tout à l'heure. Je le cite parce que ça aura une importance capitale pour mon appréciation de l'épisode. On arrive sur le camp, William va se rendre utile. Il va se demander quand même, une des premières réflexions qu'il va se faire, c'est quand même, il y a peut-être des rats à manger sur l'île. Alors je suis désolé, on n'est pas à Paris mon grand, parce qu'à Paris il y a des rats de partout, voilà, hein, dans le métro parisien, tout ce que vous voulez. Mais ici, non, voilà, ici, non, il y a des plants de manioc, etc. Des insectes, des crabes, des poissons, mais il n'y a pas forcément de rats. Non, parce que les rats, ils aiment bien les déchets, donc il n'y a pas de rats ici. Bon, je plaisante, mais c'est pour dire que la première chose que tu as envie de bouffer sur une île comme ça, tu te dis c'est le rat, chaud quand même. Chaud le rat le matin, comme ça, c'est pas mal. Amri va nous révéler, à ce moment-là dans la forêt, qu'il aurait préféré la petite Léa à lui. Alors pour une raison majeure, c'est que pour lui, prendre un autre garçon, lui il s'était fait une sorte de club de garçons autour de lui, et que lui, il le trouve pas non plus qu'il va rentrer vraiment dans ce moule-là, quoi. Il a pas l'air dans la même ambiance que les autres. Et pour lui, ça fait pas ses affaires. Et puis surtout, c'était le shérif en ville. Amri, on l'a vu la semaine dernière, je vous l'avais dit, il a un charisme assez évident, il attire autour de lui, etc. Donc, voir un autre shérif dans la ville, c'est comme, voilà, deux loups dans le même poulailler, ça fait jamais mon ménage. Au final, je vais le dire tout de suite, donc Amri va nous faire tout l'épisode, où il va être très 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 pointilleux et très tatillon avec notre ami William. Il va vouloir du résultat. Il veut du résultat, Amri. Il arrive, à un moment il te sort quand même. Amri, moi j'attends un retour sur investissement. Il a suivi les formations de Tony Bourbon, lui. Hein. Là, je fais des références à un review univers. Faut avoir vu toutes mes reviews pour comprendre. Hein, voilà, mais mentalité en Tony Bourbon, notre ami Amri. Mais ça m'a fait rire. Et voilà, hein, on veut un retour sur investissement. On veut un business plan. Moi, j'ai investi sur un business plan. Je veux bouffer. Bref, il veut vraiment, voilà, il veut de la nourriture. Il veut du manioc. Il veut du machin. Et là, c'est, vous voyez à quoi ça tient, Koh-Lanta. On se souvient, par exemple, quand Joseph est arrivé dans sa saison. Et que il promet à tout le monde, je vais faire le feu, vous allez voir. Au final, il n'y arrive pas, il galère, etc. Et il finit par y arriver. Trop tard, mais au tout début, déjà, le mal est fait. Il s'est raconté, et il ne trouve pas. Là, on a un mec qui fait exactement pareil. Il se la raconte, il te dit, moi, je vais trouver, moi, je vais vous pêcher, moi, je vais vous machin, j'ai vos trucs, etc. Sauf que là, bah, lui, il trouve effectivement du manioc, pas beaucoup, mais il en trouve. Il trouve un fruit, pas beaucoup, mais il en trouve. Il trouve machin, etc. Il se rend utile, il aménage un peu la cabane, machin, machin. Bref, tout ce qu'il avait promis se réalise. Et ça, c'est la grosse différence, c'est pour vous dire qu'une saison, ça tient à pas grand-chose. Joseph, il réussit à faire le feu tout de suite dès qu'il arrive, peut-être que son aventure ne ressemble pas à celle-là. Et ben là, voilà, lui, en fait, il arrive, il annonce des trucs, et ces trucs se réalisent et se produisent tout de suite. Léa, par exemple, elle va proposer d'essayer de faire du feu, sauf qu'elle n'est pas du tout d'accord sur la technique que sont en train d'utiliser les garçons, et elle leur dit, non, moi je suis pas d'accord, etc. Et donc au final, elle n'arrive pas à s'imposer, mais elle n'arrive pas à s'imposer, elle le dit tout doucement, elle dit, moi je suis pas d'accord, je pense qu'on devrait pas utiliser l'arc, on devrait plutôt utiliser une autre technique, vous voulez pas qu'on essaye, etc. Non, non, on va essayer cette technique-là, et on veut utiliser surtout tes bras et tes muscles, etc. pour y arriver, etc. Ouais, mais je pense que ça marchera pas. Oui, non, mais on n'est pas là pour te demander ton avis, hop, et puis voilà, le truc s'arrête assez vite. Malheureusement, voilà.
Mais ce qui fait que William, il va très très vite prendre le lead, et je reprends ma petite Nathalie. Nathalie va dire, il y a un nouveau mâle alpha en ville, c'est évidemment William. Et pourquoi ça m'a fait sourire? C'est que Amri donc va être très exigeant. Il va lui faire beaucoup de... Enfin, il va faire beaucoup de demandes. Moi, je veux ça. Moi, je trouve pas normal qu'il fasse ça. Pourquoi il fait un harpon? Pourquoi il fait ça? Je veux qu'il fasse ça. Moi, je veux du résultat, etc. Ce qui fait que Amri a vraiment fait l'épisode. Moi, je l'ai adoré. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas trop aimé parce qu'évidemment, bah, d'un coup, on avait un côté un peu plus sombre de notre ami Amri. Moi, je trouve que ça lui a donné de l'épaisseur. Ça a donné du caractère. Ça lui a donné vraiment beaucoup d'envergure. J'ai adoré Amri. Vraiment. Je l'aimais déjà la semaine dernière. Mais là, cette fois-ci, c'est officiel, c'est confirmé. C'est le candidat que j'apprécie le plus dans cette saison. Mais je vais dire un truc, c'est qu'il a été suffisamment malin pour qu'à la fin de l'épisode, il mette beaucoup de l'eau dans son vin. Et je vais vous dire pourquoi. En fait, il y a un élément qui a été décisif. Selon moi, hein, je parle évidemment selon moi. C'est que notre ami Amri, il va vite constater que oui, il n'a pas forcément peut-être de points communs avec William. Par contre, William, c'est un bosseur, c'est quelqu'un qui est très carré, qui est très machin, etc. Et que qui sera quand même sensible à un discours en rapport avec les performances, etc. et autres. Et surtout, il n'a pas l'air stratège. Il a pas essayé de se faire grand chef, machin, etc. Non, juste, il est là, il fait partager son expérience, etc., etc. Mais il n'est pas comme ça. Ce qui fait qu'Amri, au début, je pense qu'il l'a pris de frontal. C'est-à-dire qu'il s'est dit, je vais le prendre de frontal parce que je ne vais pas me laisser marcher dessus. Et au final, là, il a commencé à le prendre de biais. En se disant, au lieu de le prendre face à face, je vais le prendre sur le côté. En me disant, plutôt, je vais l'emmener avec moi. Je vais reconnaître son talent en lui disant, bah tu vois, toi, tu as du talent, mais moi, j'en connais d'autres, notamment Nathalie, qui n'ont pas ton talent, qui n'ont pas autant de performance, qui sont pas machin. Et hop, il va le ramasser. Et là, en fait, il est en train vraiment de l'arriver sur le côté. Alors que s'il était venu en frontal, je pense que ça passera pas. Mais que là, s'il vient sur le côté, je pense que ça va l'attraper et qu'il aura peut-être pas le temps, William, de que les autres puissent peut-être le récupérer, etc. Et donc, Amri qui semblait mal barré, qui semblait vraiment être déçu qu'il y a un nouveau shérif en ville, à la fin de l'épisode, il n'a pas repris son boulot de shérif, qu'il n'a jamais eu d'ailleurs, puisque ce n'était pas officiel ni quoi que ce soit. Mais on sent que lui, il s'est dit, moi par contre, je sais, j'ai un plan, j'ai un mindset, je sais où je vais, etc. Ce que n'a peut-être pas lui, et donc c'est là-dessus que je vais faire la différence. Moi, je suis prêt, moi je sais où je vais, je sais ce que j'ai fait, je sais ce que je vais faire, et je pense que ça sera très intéressant. Voilà. Et arrive le moment un peu drame. Donc, j'ai expliqué dans l'intro que je vais dire des choses pas forcément sympathiques, et c'est ce moment-là. Je vais quand même juste faire une petite parenthèse quand même assez important. On va parler d'Alicia, on va parler d'un moment qui me gêne au plus haut point dans l'épisode, qui m'a gêné hier soir en y dormant aujourd'hui, en y repensant aujourd'hui. Je trouve que c'est particulièrement gênant. Je vais essayer d'expliquer, de vous faire des parallèles pour que vous compreniez un petit peu ce qui s'est passé, parce que la séquence aurait dû être sauvée. Elle ne l'a pas été, et le fait qu'elle ne l'ait pas été, c'est pour moi une catastrophe. Et c'est quelque chose qui, certes, là, on va parler un peu de la personne. Et je sais que sur Internet, la bienveillance, tout ça. Oui, ok, d'accord, voilà, ça reste un jeu, etc. Mais là, on va quand même parler d'un truc qui, ça veut dire qu'au casting, c'était déjà présent, c'était présent là, et il y a quelque chose qui m'interpelle, quelque chose que je n'ai vu nulle part. Je n'ai vu nulle part prononcer ces paroles sur Internet, et donc je vais le faire. Avec le respect que j'ai, mais avec aussi la franchise et le tact que vous me connaissez. Donc attention, ça risque de faire mal. Si vous n'êtes pas prêt à l'entendre, vous pouvez passer limite cette partie-là, parce que ça risque de blesser un petit peu. Oui, ça pique un peu. Ou ça pique. Ça lance et ça repique derrière. Alors, Alicia se retrouve dans la mer avec d'autres candidates de la saison. J'ai cité les paroles pour être certain de ce que je dis. Elle va lui reprocher. Elle se permet de donner son avis. T'es pas dans la conversation. Tais-toi. C'est les paroles prononcées exactement comme ça. Hier, je n'étais pas dans le live de Space Babies TV. Je l'ai rattrapé ce matin. Ce matin, ils nous disent un truc. Je sais plus dans quelle discussion, je sais plus qui disait ça. Peu importe. Et il nous dit, attention, je commence à voir, il y en a certains qui commencent à dire des choses, etc. Faut rappeler que c'est qu'un jeu, etc., etc. Ouais, c'est qu'un jeu. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Moi, tu me parles comme un chien. Jeu ou pas jeu, je te remets à ta place. J'espère que ça paraît pas violent, mais quand même, ça l'est. C'est pas normal que là, soit Julie... Alors, Julie, elle porte la bonté d'âme. Ça se voit sur son visage, elle a l'air sympa. Mais dans ce cas-là, si Julie n'est pas capable de le faire elle-même, moi, je dis,
il y a un problème. Aucun autre aventurier n'a pris l'initiative de la remettre à sa place. Je vais passer tout de suite à la fin. La conclusion de l'épisode, c'est que Alicia finit par être éliminée. Pour ses performances, pas pour son caractère. L'aventure ne lui aura rien apporté, selon moi. Rien. Elle repartira avec les mêmes certitudes, parce que pour elle, elle estime qu'elle s'est fait trahir par ses copines. Truc qui marche pas très bien avec nous, mais je comprends pourquoi, parce que la production n'a pas voulu créer véritablement un sentiment de sympathie envers elle, pour qu'on se dise vraiment qu'elle s'est fait arnaquer, et je pense qu'elle ne s'est pas fait arnaquer du tout. C'est elle qui se monte un char toute seule, parce qu'elle se dit... parce que nous, en fait, dès qu'elle se disait « Oui, on vote pas contre toi », bah ouais, mais en fait, ils lui disent ça pour lui faire plaisir, mais en réalité, tous, après, en facecam devant nous, ils disent « Non, on va voter contre elle, parce que performance faible ». Mais aucun d'entre eux n'a voté contre elle, pour son comportement, sa façon de s'exprimer envers, alors là, Julie précisément, mais même au-delà de ça, son caractère avec les gens. Là, le fait que ça, il n'y ait pas eu de réaction, m'énerve à un point que vous n'imaginez pas. Je m'explique. Cette séquence me gêne. Cette séquence ne me gênerait pas si elle s'était produite, comme, pour ceux qui se souviennent, quand Yves... qui avait eu aussi des paroles extrêmement difficiles, qui étaient très injurieux, etc. etc. Lui, par contre, il criait beaucoup plus fort. Elle, c'est beaucoup plus... c'est vraiment juste, on te parle vraiment comme un chien. Et je estime que les chiens, on leur parle mieux que ça. C'est violent, ce que je dis, hein, mais c'est clair. Franchement, mais j'ai halluciné. Qu'il y ait rien, j'ai halluciné. Sauf que là, dans cette saison-là, justement, là, pourquoi ça ne m'a pas choqué dans cette saison? Parce que Frédéric le recadre immédiatement. Ça clash, ça parle fort, ça s'engueule, ça se... Voilà, ça y va. On n'est pas, on n'est plus dans les années 2000 où ça peut finir clash à la Mundir style, etc. Ça, c'est pas possible. Le football, il a changé. C'est pas possible. Par contre, on peut quand même la remettre à sa place, quand même. T'as quand même une personne sur le camp qui vient de dire à une personne « T'es pas dans la conversation, tais-toi !» Comme ça. Et ça fait réagir personne. Et on a même, alors lui, il est prodigieux, David, qui va finir par lui dire « Je dis pas que t'as totalement tort, mais moi, perso, je dis que t'as peut-être raison. » Et raison de quoi? On sait pas. Mais lui, t'as l'impression qu'il a vécu un lavage de cerveau. On comprend rien. Il comprend rien. Lui-même dit qu'il comprend rien, d'ailleurs. Bah, la prochaine fois, tu dis pas, surtout. C'est bon, quoi. Et je vais vous faire un parallèle. Attention, là, je prends des pincettes. Parce que c'est très dur, ce que je vais dire. On sait que TF1 est très engagé, surtout en ce moment d'ailleurs, sur la question du harcèlement. Vous allez me dire, attention, je dis ce que je dis. Je vais tout de suite dire, il n'y a pas de situation de harcèlement dans le cas que je présente aujourd'hui. Cependant, là pour moi, on est dans un cas caractéristique. Vous avez une candidate, quelqu'un, et ça pourrait marcher dans des collèges, dans des lycées, dans ce que vous voulez, mais là c'est une personne, Alicia, qui décide de s'en prendre à Julie. Quelle est la raison? Il n'y en a pas. C'est vraiment quelqu'un qui vient juste. Parce que si vous regardez bien tout le cheminement depuis le début de son raisonnement, depuis qu'elle est arrivée, hein, c'est elle sent pas quelqu'un, elle va lui le faire payer. Cher. On en a eu des candidats caractériels. On en a eu des candidates caractériels, les Frédéric, les autres, etc. Et elle se faisait justement, ça partait au clash et ça se faisait recadrer. Là, c'est pas le cas. Il n'y a pas de recadrage. Un recadrage, pas violent, mais clair. Un vrai recadrage. C'est-à-dire, tu lui dis, on parle pas aux gens comme des chiens. On n'a pas élevé les cochons ensemble, vous prenez l'expression que vous voulez, hein. On n'a pas élevé les cochons ensemble, donc on va t'apprendre comment ça marche dans la porcherie. Mais peu importe, elle a de la chance que je ne sois pas dans la saison 1. Parce que moi, je vois quelqu'un, c'est pas moi, hein, mais je vois quelqu'un de mon équipe se faire parler comme ça, moi j'estime que c'est pas le jeu. Et justement, je reprends l'expression que j'ai entendue dans le live. C'est, oui mais c'est le jeu. Se faire parler comme une merde, c'est pas le jeu. Que j'estime être le jeu, c'est quand vous manipulez, quand vous mentez, quand vous trichez, etc. Oui, parce que ça, c'est le jeu. C'est les règles du jeu. C'est normal que tu t'amuses avec les règles, etc. Il n'y a pas de problème. Là, on est vraiment sur un truc où ça n'a choqué personne. Personne. Et il n'y a pas de remarque. Alors, on va me répondre, parce que je vous vois venir dans les commentaires. Je le sais. Vous allez me répondre. Oui, mais il y a le montage, Maxime. Peut-être qu'il y a eu. Surtout qu'il y a un tout petit... Alors, léger, hein. Mais il y a un moment, il y a un personnage qui dit, un candidat, je sais plus lequel, mais qui dit oui, peut-être aller un peu loin, enfin je sais plus ce qu'il dit, en fait, en gros, il essaie de trouver des excuses, il dit ouais, c'est vrai qu'on est après la défaite, on est un peu à cran, voilà, il faut qu'on se recalme, etc., etc., mais pas, pas, il revient pas sur le fond, quoi, c'est plutôt
la forme, mais le fond, ça le dérange pas plus que ça, quoi, voilà. Moyen, pareil, moyen. Il aurait dû y avoir quelqu'un qui la recadre. Pas violemment, mais clair. Je le redis, pour pas me contravestir mes propos. D'accord? Pas Moundir style, mais clair quand même. On lui dise, écoute, Jacqueline, on parle pas comme ça aux gens. Et même aux animaux, on en parle pas comme ça. Tu parles comme ça aux cailloux. Voilà. Si ça avait été réglé devant l'écran comme ça, que ça avait clashé ou pas clashé, peu importe, mais qu'on lui avait remis à sa place, j'aurais rien dit. Je n'aurais rien dit parce que j'estime que ça veut dire que l'émission, elle a fait son travail. Il y a une personne qui tient des propos qui sont pas normaux, clac, on recadre, on redit, bonjour madame, qu'est-ce qui se passe, tac, tac, et on recadre. Et là, vous m'entendriez pas dire à propos sur cette séquence. Je la trouverais normale. Et justement, j'amène à ma conclusion, c'est que le fait qu'elle s'en aille, pas du tout à cause de ça, mais qu'elle s'en aille à cause de ses performances, fait que pour moi, ça veut dire que cette saison ne lui aura servi à rien. Je trouve qu'elle n'aura rien appris. Vous allez me dire, on n'est pas obligé d'apprendre quelque chose. Oui, mais quand même, là, je pense que c'est une saison qui, peut-être là, si on lui était un peu rentré dedans, elle aurait pu en apprendre un truc quand même, progresser humainement parlant. C'est-à-dire parce que son portrait était quand même surréaliste. Et puis pareil, je le dis aussi, caster quelqu'un comme ça, avec autant de tares et autant de préjugés, autant de trucs, etc., ça ne pouvait qu'aller vers le mur. Donc là aussi, TF1, franchement, c'est pas fou de sélectionner quelqu'un comme ça. Moi, je trouve que ça prend la place de quelqu'un qui serait peut-être meilleur. Bon, c'est un choix, mais perso, voilà, elle a fait 2 émissions, c'était déjà beaucoup. Et moi, j'étais très content qu'elle s'en aille. Et justement, si vous regardez bien, donc, comme je l'ai dit, la fin d'épisode ne comportera aucun suspense. Déjà parce que l'épreuve aura fini très très tard, l'épreuve bourrée de pub, on en reparlera tout à l'heure. Et quand ça se produit, en fait, ils n'ont pas du tout essayé de créer du suspense. Ils l'ont montré juste en train de chercher un petit collier, demander à des gens qu'est-ce qu'ils vont voter, les gens lui disent qu'ils votent pas pour elle, mais en fait ils vont voter pour elle, et elle s'en va. Le conseil est expéditif, et elle s'en va. Et elle s'en va parce qu'on sent vraiment qu'il n'y a pas cette volonté de vouloir créer de l'attachement ou autre, vraiment c'est dehors. Parce qu'ils se disent bien qu'avec les séquences qu'ils ont sélectionnées, ils vont pas créer d'attachement envers ce personnage. Alors qu'en vrai, ça aurait un peu clashé, etc. On n'aurait pas eu d'attachement, mais ça aurait créé une séquence. Là, la séquence, elle est pas bonne. Elle est pas bonne, elle est pas réussie, et selon moi, on va me trouver dur. Je sais qu'on va me trouver dur. Je vous attends dans les commentaires, évidemment. Donnez-moi votre avis sur cette séquence. Mais si jamais la séquence était déroulée comme moi, je le dis, c'est-à-dire avec quelqu'un qui la recadre, la séquence aurait été très très bien. Mais là, ça n'est pas arrivé, et c'est pas normal. Les autres sont restés, n'ont pas eu les couilles, que ce soit homme ou femme, hein, n'ont pas eu les couilles de lui dire, entre 4 yeux, écoute, on parle pas comme ça aux gens. Juste ça, ça suffit. Mais ça n'a pas été fait. Et c'est pas normal, parce que ça veut dire que ça les a pas choqués. Quand même. Franchement. Moi, oui. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires, évidemment. Je suis très curieux. Après tout ce bordel, après tout ça, etc., enfin, qui a pas duré très très longtemps, pub. Il n'y a pas eu d'épreuve, hein. Pub. C'est-à-dire que là, ils n'arrivent pas à l'épreuve, hein. Tu te dis, bon, l'épisode va redémarrer. Il va redémarrer, ils vont aller à l'épreuve. Pas du tout. Là, on va revenir sur le camp. On va revenir avec... Il y a un problème avec l'hygiène de la machette. David va se faire mal au pouce. Il a la main en sang assez spectaculaire, etc. On le voyait dans la bande-annonce d'ailleurs. Mais c'est assez spectaculaire, il faut le reconnaître. Maxime, qui avait déjà des problèmes la semaine dernière, va râler. Mais alors cette fois-ci, va vraiment râler que les rouges ne font rien et que lui, il fait des choses. Il commence à ressembler de plus en plus à Marc, lui, hein, on va pas se mentir. Et attention, je vous expliquais tout à l'heure qu'il y a des trucs qui ne fonctionnent que dans certaines saisons. Marc, ça fonctionne dans sa saison. Parce qu'il a des gens qui sont comme lui. Il a les Chantal, il a les Bruno, il a les gens comme ça. Qui sont un peu à la vieille époque, à la vieille garde. Là, attention Jean-Pierre, tu te lances sur un truc. Marc, il fait d'autres saisons de Koh-Lanta, il se fait trier, il se fait découper en morceaux. Hein. Là, lui, il ronge son frein pour le moment. Je sais pas combien de temps il va le tenir son frein, parce que là, il a l'air quand même d'en avoir une sacrée couche. Parce que ça fait 6 jours qu'il est là. Hein. Et ça fait 6 jours que lui, il est le seul à... Parce que la scène, c'est vrai qu'elle est lunaire. Hein. Ils ont rien, etc. Et tout le monde est sur le... Tout le monde est en train de se faire bronzer, tout le monde va... Je pense que ça va finir par exploser ce truc-là. Pour le moment, tranquille. Et quand il va falloir, à mon avis, surtout quand il va falloir commencer peut-être à réfléchir à éliminer, etc., etc., je pense qu'à un moment, il va peut-être sortir les vrais termes en disant « Oh, c'est pas normal. » Mais bon.
William va trouver des bananes, du manioc, un fruit du jacquier, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Chez les rouges, on va se plaindre que Léa ne reste pas avec les autres filles. À votre avis, qui lance ça? Alicia. Voilà. Et elle a eu une influence, je trouve, sur les filles déjà sur le camp. Je le disais tout à l'heure, et vraiment, on sent vraiment que c'est négatif, c'est pas bien, c'est... Non, non, vraiment, je vous le dis, personne ne l'a repris. Je suis content qu'elle soit partie, moi, parce que je pense que là, il y en avait certaines, là, avec une trop grosse exposition. T'as l'impression que je parle de radiation, mais c'est un peu le cas. Je pense que les filles auraient tourné un mauvais coton. Là, c'est très bien, ça aura pas eu le temps d'être trop grave et de trop devenir du grand n'importe quoi. Mais c'est vrai que je suis pas fan de comment le casting, je le redis bien, comment le casting a réagi un peu sur ce genre de truc, enfin voilà. Mais là, pour elle, je dis rien, parce que pour Léa, effectivement, c'est vrai qu'elle est très renfermée, etc., etc. Donc là, je dis rien. Mais quand même, voilà, ça maintient ce que je dis, c'est vrai que ça faisait très... Bah, je sais pas, ça faisait vraiment les petites chippies de la mer, quoi, c'était pas génial. L'image donnée sur cette équipe-là, perso, enfin, je veux dire, cette équipe-là, sans vouloir dire que je l'aime pas, mais perso, moi, tous mes candidats favoris sont de l'autre côté. Dans la catégorie de ceux que j'estime être des candidats qui sont voilà, intéressants, ils ont du gras, ils ont des trucs à raconter. Là, de ce côté-là, je me permets, je trouve que c'est pour le moment, il y a Maxime dedans hein, pour autant, mais c'est pas... Quand je dis à Maxime, c'est... Il y a Maxime que j'ai cité juste avant, mais là, pour Léa, voilà, je suis pas convaincu. Mais bon. Ensuite, donc, il va y avoir le tirage. Pour l'épreuve, et Léa va tirer la boule noire. Putain, pas de bol. Elle voulait se montrer, elle est là pour gagner les épreuves, même si là, elle peut pas être éliminée de toute façon à la collier, mais c'est quand même pas génial. Elle, vraiment, elle a une introduction, tout va pas, quoi. Elle peut pas essayer de faire du feu, elle peut pas machin, elle peut pas mettre en avant son atout, contrairement à William qui l'a fait. Vraiment, c'était l'intégration la pire. On se constitue des binômes, parce que c'est une épreuve en binôme, mais en équipe, ouais. Qu'est-ce qu'il y a eu là maintenant? Pub. Ah mais j'ai failli péter un câble. Là, écoutez bien ce qu'on a eu. Hein. On a eu la machette. L'hygiène de la machette. On a eu la coupure. Voilà. On a eu Maxime qui râle. On a eu les bananes. On a eu les rouges qui se plaignent de Léa. On a eu Léa qui tire la boule noire. Constitution des binômes rapidement. Et pub. Voilà, lisez dans mon esprit. C'est pas là. Non mais c'est déconné. Ils sont devenus fous. Cette pub, là en fait, il s'était rien passé entre ces deux pubs. Ça va pas quoi. Ensuite, il faut mémoriser les. Donc pour l'épreuve, il va falloir mémoriser et se souvenir celles qui contiennent des bolasses, je sais pas comment ils ont appelé ça là, puis les jeter par-dessus, etc. L'épreuve est nulle. Voilà, on va le dire tout de suite, l'épreuve est nulle. Hyper longue. Et surtout, vous le savez, j'y suis hyper attaché. Je suis attaché à la prod. Quand on filme un truc, quand on fait une épreuve, il faut qu'on réfléchisse à comment elle va être filmée. Là, ils se sont dit, on va mettre des pots en par-dessus. Mais comment on filme ça? Personne s'est posé la question, t'as l'impression. T'as l'impression que personne, à part Maxime, s'est posé la question de comment on filme ça. Et donc, c'est filmé, mais à la zop totale. On comprend rien. On a du mal à se représenter qui fait quoi, qui est quoi. La seule chose qu'on arrive à voir, c'est quand ils font le lancer. Voilà, ça on voit parce que les trucs tombent, machin, etc. Et le reste, c'est tellement mal filmé, je peux rien comprendre. Donc c'est très long, ça paraît très long. En fait, t'as l'impression qu'il se passe plein de trucs, mais vu que tu comprends pas tellement, t'es un peu là, tu sais pas trop où regarder, on s'ennuie beaucoup. Et donc l'épreuve marche pas. C'est vraiment le cas d'une idée qui peut-être sur le papier, tu te dis « ouais », et qu'en fait, quand tu le réalises sur le machin, tu te rends compte que c'est pas du tout. Ah, pour moi, tout était mal filmé, les plans de cam étaient mal choisis, l'épreuve est pas bonne, bref, ça marche pas. Bon, quand même, pour le signaler, donc, la victoire, c'est les jaunes qui remportent la victoire. Les rouges, je rappelle qu'ils avaient gagné la semaine dernière, mais vraiment, c'était ric-rac parce que vraiment, ils avaient profité d'un concours de circonstances. Là, les jaunes, ça commence à devenir quelque chose de pas mal comme équipe, hein, on va pas se mentir. Amri, à ce moment-là, bah, il va lever le doigt et il va reconnaître, il va acknowledger William. Et ça c'est beau, il reconnaît, il a knowledge. Moi, j'étais là, bravo, c'était le moment ou jamais, il a knowledge. Ah, il a knowledge de Self Tribal, c'est magnifique. Si vous avez des rêves de ça, c'est beau. En danger, alors, le conseil à Alicia,
parce que pas doué. Et Julie parce que un peu à l'écart. Mais on lui reproche pas d'autre chose, mais un peu à l'écart. Tu m'étonnes qu'elle soit à l'écart. Tu m'étonnes, Jean-Pierre. Tu m'étonnes. Alicia, voilà. Elle va voir tout le monde. Et tout le monde lui dit, non, mais t'inquiète. Franchement, moi, je te vois aller, oula, mais loin. Enfin, genre, loin ce soir, quoi. Mais loin, quand même. Ah, mais loin. Moi, ça me paraît loin. Tu sais, il va se passer des heures, quoi, mais... Non, mais moi, je parle en jour. Ah, mais en jour, non, mais en jour, non. On peut pas se projeter aussi loin, tu sais. C'est pas possible. Je suis désolé, c'est pas possible. Bon, bref, en gros, ils arrêtent pas de lui dire que oui, oui, y a pas de problème. Puis en fait, le oui, ça veut dire non, non. Voilà. Alicia croit avoir trouvé un collier d'immunité, mais non. En fait, c'est un reflet du soleil. J'ai cru qu'elle allait s'embrouiller avec le soleil. Sans déconner, il y a un moment, j'ai cru qu'elle allait s'embrouiller avec le soleil toute seule. Vraiment, elle est là, elle dit oh purée, mais c'est le soleil qui m'a eu, machin. Attention. David, il lui fait des compliments. Ah ouais. Je sais pas ce qui amène à ça. Oh, vraiment, alors là, l'épisode ne permet absolument pas d'estimer un quelques trucs qu'on aurait à valoriser de ce qu'elle nous a montré. Ça, il faut reconnaître, hein, le montage n'a pas du tout été valorisant pour elle. Et là, David, quel brave homme. Il arrive, il se dit, ouais. Oh, bah, moi, je vais lui dire des trucs sympas et tout. On va pas rester en mauvais termes. Mais si, bordel, mais dites-lui les termes, putain, allez, ça sort pas, quoi, jusqu'au bout, mais vraiment, tout va bien, vraiment, mais normal, quoi, la norme, normal, tout est normal. Ils arrivent sur le conseil expéditif, déjà très tard, hein, conseil expéditif, le résultat, c'est 8 votes contre Alicia et 3 votes contre Julie, et c'est donc Alicia qui s'en va. Alicia va donc accuser ses autres copines de l'aventure que son élimination parce qu'elles ont menti. Et qu'elle aurait pu mieux chercher un collier, etc. Pff, allez, m'emploie pas à toi-même, voilà. Et Denis va terminer avec une petite réplique. La vendeuse de piscine a bu la tasse. Bravo Denis, son spectacle bientôt dans toute la France. C'est normal, voilà, je veux dire. Alors, il y en a qui ont été déçus. Qui ont été déçus, qu'il n'y ait pas de suspense, etc. Moi pas, parce que moi, j'aurais pas aimé qu'on ait une forme de suspense. Comme j'ai dit tout à l'heure, je vais pas revenir dessus, mais je pense qu'il fallait pas de suspense sur des situations. La situation était très claire, il fallait qu'elle s'en aille. C'est très bien. Je pense que voilà, c'était pas la peine de trop non plus. Parce que je pense qu'un fait créer un faux suspense aurait amené à voir des choses de raisonnement peut-être qu'on n'aurait pas trop kiffé. Donc vaut peut-être pas mieux. Voilà, peut-être mieux en rester là. Je pense que c'était la meilleure des variantes. Parce qu'en vrai, je pense qu'on avait des variantes qui, à mon avis, étaient particulièrement terrifiantes. Donc on va rester sur cette variante-là. Elle est plutôt pas mal. Ça fait que tu as une fin qui va très vite. Ça arrive vite à sa conclusion. Ok, il n'y a pas le waouh, mais c'est pas grave. C'était la conclusion attendue par rapport à l'épisode. Et comme je l'expliquais, vu qu'on n'a pas eu le côté de on lui met un taquet pour qu'elle apprenne la vie, et ben là, forcément, ça paraît comme peut-être ce taquet-là qu'on espérait, qu'elle retourne chez elle, etc. Ok, pour moi, c'est pas suffisant, mais pour certains, ça suffit. Moi, c'est pas le cas. Je pense vraiment qu'il aurait fallu à un moment quand même. Et peut-être même d'ailleurs, ça aurait pu lui servir. Parce que franchement, un truc comme ça, mettons qu'elle rebondit bien, etc. Bon, elle était mauvaise sur les épreuves, ça n'aurait rien changé. Mais si elle avait été douée sur les épreuves, hein, voilà. Et la semaine prochaine, donc, on a découvert qu'il y aurait une épreuve éliminatoire. Déjà, et ouais, mais bon, il y a tellement d'aventuriers, il y a 22 aventuriers. Donc forcément, les épreuves éliminatoires, je pense qu'on en aura pas mal, tout simplement. D'ailleurs, je suppose, parce que vu l'épreuve, qu'il y a l'épreuve du bambou, qu'il faut le tenir sur la tête comme ça. Mais j'ai envie de dire, donc si jamais celui qui tombe en premier est éliminé, bah pourquoi les autres y continuent? Donc je suppose que les autres, il y a un collier d'immunité individuel à gagner, je pense. Enfin, je suppose par rapport au thème de la saison, je pense qu'il y a un collier d'immunité à gagner, je pense. Je peux me tromper, hein, mais je pense. Voilà, c'est ma théorie. Dites-moi vous vos théories dans les commentaires. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je sais que c'est une vidéo, je sais pas, tout le monde sera d'accord avec moi. Peut-être que pas d'ailleurs, peut-être que pour vous, vous avez trouvé d'autres choses, etc. Bref, un épisode que j'ai trouvé sympathique, vraiment bien, il est passé bien, j'ai adoré suivre Amri et William. Amri et William, ils ont fait l'épisode. Amri et William, c'était génial de A à Z. Par contre, une remarque, c'est que Amri, William, Alicia, un peu Maxime, et puis c'est tout. Si vous regardez ce que j'ai cité dans cet épisode, il y a très peu de candidats dont j'ai parlé. On a vraiment eu une concentration du temps d'antenne sur peu de candidats. C'est pas grave,
Mais j'espère que dans la semaine prochaine, on va avoir un peu plus de temps d'antenne pour d'autres. Faut pas s'inquiéter outre mesure, parce que évidemment, jusqu'à la réunification, on aura des gens, etc. Si on se voit, on ne voit toujours pas jusqu'à la réunif, là, tu prends ton billet pour le Havador, on va pas se mentir. Mais voilà, là, c'est un épisode peut-être qui s'y prêtait pas, peut-être. Ils ont voulu peut-être donner beaucoup de temps à William, je n'en sais rien. Peut-être que c'était les meilleures séquences aussi, je n'en sais rien non plus. Mais voilà, je me permets, je trouve que personnellement, un peu quand même, donner un petit peu aux autres, ça aurait quand même été sympa. On verra s'il rectifie un peu le tir la semaine prochaine. En tout cas, je l'espère, parce que c'est vrai qu'on a envie aussi d'en découvrir un petit peu d'autres et d'autres candidats. Et là, vraiment, on en découvrait très, très, très peu. Voilà, c'est mon avis, évidemment. Et c'est dommage. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir un membre soutien. Et je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve. Je vous attends en commentaire, hein, évidemment, pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Et on se retrouve, nous, de toute façon, très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao !